Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Julien Bert accusé de trafic de drogue, je m'en veux pour ma famille. À la sortie du tribunal de Paris, au sein duquel il comparaissait le mercredi 3 avril pour détention, importation de drogue et association de malfaiteurs, Julien Bert a accordé une interview à nos confrères du magazine Public pour clamer haut et fort son innocence. Le mercredi 3 avril, Julien Bert a comparu devant le tribunal de Paris pour des faits de détention, importation de drogue et association de malfaiteurs. En 2015, le candidat de télé-réalité était arrêté par la brigade des stupéfiants alors qu'il rentrait à son domicile. Il est accusé d'avoir servi de porte-valise à l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine, un an plus tôt, en octobre 2014. Au cours d'une interview accordée à Public, Julien Bert s'est souvenu avoir pensé naïvement pouvoir passer des vacances au soleil avec un ami. Cet ami, il l'a rencontré au cours de son anniversaire. Il lui avait été présenté par des connaissances à lui. Le beau gosse au casting actuellement des Marseillais Asian Tour se souvient néanmoins avoir été mis au courant d'une transaction à laquelle il n'a pas voulu prendre part. « J'ai refusé catégoriquement, j'ai dû en venir aux mains afin de faire entendre mon refus. J'ai même été menacé de représailles en France pour ça », assure-t-il. Afin de prouver sa bonne foi au juge, Julien Bert se serait livré à des analyses de sang pour prouver qu'il ne consomme pas de drogue. Lors de l'audience du 3 avril, le procureur a requis 2 ans de prison ferme contre lui. Julien Bert sera fixé le 7 mai prochain. En attendant le verdict, il tient à présenter ses excuses, « Je m'en veux pour ma famille, pour mes proches et pour toutes les personnes que j'ai probablement déçues ».